Chat, bonjour, dites-moi que ça fonctionne, s'il vous plaît. Je me bats depuis 40 minutes, j'ai envie de péter un truc. On a essayé de faire avec ma petite femme un truc un peu mieux que d'habitude. Ça nous a pris un temps fou et le résultat est mi figue mi raisin. Oui, c'est bon. Si beau, trop beau. En vrai, ça rend mieux. En fait, là, je me rends compte en regardant que ça rend quand même mieux qu'avant. Le seul défaut, c'est que quand je vais cuire des trucs, je devrais me ramener avec la poêle comme ça pour vous montrer parce que la caméra que je voulais utiliser, elle est trop courte. Genre, je peux aller jusque là au max. Mais à part ça, ça va. De toute façon, vous connaissez les live cuisine, on cuisine 12 minutes et le reste du temps, on boit des bières et on papote. Donc bon, c'est pas très grave, je pense. Plus quali, ça rend mieux, c'est parce que regarde, on a mis une lumière qui pète la gueule. Tu as vu? Elle fait très mal à la gueule. Elle est sur le côté juste là, nickel. Merci Chloé, merci beaucoup pour ça, c'est gentil. Pourquoi il est grand comme ça? En fait, c'est pas que je suis grand comme ça, c'est que ça, c'est bas. Vous savez, vous vous rappelez quand j'ai dit que j'allais prendre un îlot central? Je l'ai pas fait. Je l'ai pas pris encore, mais ça arrive très très fort. Tu fais un mètre combien? Je fais 1m79. Plus malade. Je suis encore malade, mais je vais mieux. Je tousse un peu moins. Vous pouvez penser à laver ma main maudite. Merci Daya pour le prime. Je me suis pris un petit tabouret pour pouvoir m'asseoir. On dirait vraiment que je suis à l'école et que je vais faire un cours de cuisine, quoi. La cuisine est vraiment sympa. Elle fait le taf, quoi. Elle fait le taf de cuisine. Le papy qui cuisine, faut bien que je m'installe et tout. Bonjour les amis, je suis posé pour faire la cuisine. Mais attends, en vrai de vrai, ça fait mal au dos de rester debout tout le temps. En plus de ça, je vais être penché comme ça pour faire mon truc. Ça va pas être pratique, hein. Aujourd'hui, on fait une petite... si ma braguette est ouverte, vous regardez pas. C'est bon, vous me dites s'il y a l'oiseau qui sort. Arnaud, ma sœur et moi, on te regarde tellement trop que ma mère a lâché un réel, la team. C'est-à-dire, soit tu, c'est un gros mytho, soit ta mère, elle a 27 ans et elle t'a eu à 14 ans, c'est mon pronostic. Je peux pas le croire. Ta mère, qui entend les lives de sur le côté, a dit réel la team. J'ai du mal à le croire. Ça me paraît bizarre. La voix de la directrice à mon sucré, je te jure, j'ai la voix flinguée là, flinguée de chez flinguée. Tu nous cuisines quoi ce soir? Alors là, ce soir, c'est du grand art. Hein. Parfait, ok. Ce soir, les amis, nous avons au menu, les amis, carré udon, nouilles sautées au curry. Voyez plutôt. Ça, c'est le repas du jour. Ça va être une petite merveille. Dommage. De quoi dommage, Yoshi? Chat, attendez. Vous savez, je vous casse les couilles avec Giebel pour les livres. Je vous casse les couilles avec mon auteur, mon autrice préférée. Yoshi, il était comment le livre? Yoshi, dis-leur, vas-y, dis-leur, est-ce que j'ai été de bons conseils? Merci Angel, je l'ai saigné. Incroyable, voilà. Voilà, je vous ai dit, faut m'écouter les gars. Mes recolivres, en toute modestie, je pense que c'est les meilleurs de la planète. Mais Arnaud, c'est quoi HelloFresh? Oh, mais Picsou, c'est une super bonne question. Moi, je te propose qu'on attende qu'il y ait plus de gens pour y répondre, parce que ça serait dommage que tout le monde... Que des gens dans la communauté passent à côté de cette information exceptionnelle, je trouve. Tu trouves pas? Combien on est là? Je sais pas moi, mon truc, je vois même pas les viewers, je vois rien. C'est trop de la merde. J'ai trop hâte de déménager, d'avoir un vrai setup. J'ai vraiment trop hâte. 1100. Ok, ça va. Mais est-ce qu'on est capable d'être 1150? J'ai craché. Est-ce qu'on est capable d'être 1150? Parce que ça serait encore plus beau. Et encore plus cool. Oh! Oh ben what the fuck! Non mais le truc improbable, il y avait de la bière dans mon frigo. Bon bah je fais avec, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Yoshi? Arnaud, t'as fait une story? Ouais, elle est pas publiée. Oh là là, j'en ai marre. Ma vie, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma meuf? Il y a une ombre dans ton dos, tourne une lumière. Ah, mais tu parles de ça, chérie? C'est elle, là, je pense. Oh putain, j'aurais pas dû regarder, je suis aveugle. On s'en bat les couilles, non? Oh, ça m'a niqué. Je vois rien, je vois deux points en plein milieu de mes yeux, là.
Mais j'ai oh là là putain j'y vois rien. Ça m'a tué. M'a tué les yeux. J'ai 2 points en plein milieu de là où je regarde. Ah ouais, elle est pas publiée ma story. Ça fait plaisir en tout cas. Comédien un peu. Ah! Ah la team, c'est horrible. C'est horrible, C'était trop bien fait, non? Je pense, bon, attendez, vu qu'il y avait une bière qui est passée sur mon chemin, j'en profite pour l'utiliser. Et je vais vous montrer un truc. Théma, mon Kozo. Théma, mon Kozo. Kozo Citron fait avant-hier. Regardez, il est déjà tout prêt. Il est déjà presque prêt. Il reste quasiment rien de sucre en bas. Théma, mon Kozo. Ça, c'est que du citron et du sucre. J'en veux. Il sent bon, il est beau. Attends, je vais goûter. Je vais vous dire si. S'il est déjà bon ou pas. Mais je pense que oui, la dernière fois que j'ai goûté, c'était bon, alors que ça faisait 12 minutes que je l'avais fait. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon, genre. Ça prend 2 secondes à faire, c'est magnifique. C'est pas trop sucré, justement. Dad, pitié, ne rejoins pas la team des gens qui sont cons. J'ai fait une recette, j'ai montré la recette de comment on fait du kozo. À savoir, je dis quand même ce que c'est du kozo. Du sirop. J'ai eu 3 commentaires sur 10. C'était, ça a l'air bon, mais c'est vachement sucré. C'est du sirop, connard. C'est du sirop, c'est normal. C'est normal, quand t'achètes ton sirop Tesser, là, de merde, eh ben, il est sucré, vu que c'est du sirop. C'est logique. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu logique que quand tu fais du sirop, il y a du sucre. Après, du coup, Dad, pour revenir à ce que tu disais, parce que tu m'as demandé ça, parce que je l'ai bu nature. Si, c'est trop sucré. Quand tu bois tout seul, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. C'est quand tu cuisines. Les amis, bonjour à tous. On est combien? On est combien? Let's go, on a passé les 1150. Chat, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous rejoignons une fois de plus pour un live cuisine. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons cuisiner? Nous allons cuisiner des carrés udon. Regardez, c'est magnifique. Nouilles sautées avec des petits œufs, une sauce curry, des légumes. Comme légumes, nous avons de la cébette, du gingembre, des oignons, des carottes, de l'ail. Nous avons en ingrédient principal les nouilles, forcément, les udon fraîches, s'il vous plaît. Curry en poudre, sauce soja, miso blanc, huile de sésame. Donc, un petit plat de nouilles au curry végétarien, parce que vous savez que je mange souvent végétarien, donc voilà, une fois n'est pas coutume. Nous allons partir là-dessus. Mais Arnaud, mais qu'est-ce qu'HelloFresh? Ah, mais ça tombe à pic que vous me demandiez, parce que il se trouve qu'il faut que je vous parle d'HelloFresh. Et HelloFresh, qu'est-ce que c'est? C'est un service hautement, hautement exceptionnel qui vous permet, en vous rendant sur leur site internet, de faire une sélection de repas qui vous font envie et de les recevoir chez vous. Sous forme de petits sacs prêts à cuisiner. Là, en l'occurrence, je suis allé sur Internet. Je vais sur Internet. J'ai regardé, j'ai vu les nouilles. Je me suis dit, oh, ça a l'air drôlement bon. Je vais prendre ces nouilles. Et hop, j'ai reçu ceci. Un petit panier avec dedans mes cébettes. Je vous fais une présentation. Mes belles cébettes. Magnifique. Hop. Ma dose de sauce soja pour la recette. Ma dose de miso blanc pour la recette. Mon petit sachet de curry. Mes champignons de Paris. Un peu fatigué là, c'est bête. En vrai de vrai, c'est my bad, je l'ai reçu lundi. T'es censé faire tes trucs, tu sais, il y a un ordre et quand c'est à faire vite, il y a marqué à faire vite, genre sur le truc. Là, il fallait faire la recette en début de semaine et j'avais envie de faire celle-là en live, donc bah, je l'ai gardée. Donc ma cébette, là, elle se dit, ouais, bah putain, la vache, les gars, bon, je couperai là, regarde, ça se voit pas. Là, ici, elle est nickel, tu vois. Là, il y a eu un petit, tu sens qu'elle a pris le frigo dans la gueule. Mais c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Un mini oignon. La sauce soja. Claire. Ah, putain, elle est vachement claire, la vache. Ah, c'est de l'huile de sésame, donc c'est normal, ça n'a aucun rapport. Nos 2 paquets de udon fraîches, magnifique. Papapam. C'est un peu cramé l'image, c'est pas grave, je m'en occupe.
notre petite gousse d'ail, notre petite carotte et notre morceau de gingembre prêt à être râpé. Donc voilà comment ça se présente. Et en gros, ce qui est cool avec HelloFresh, comme je vous disais, c'est que vous pouvez choisir sur le site les recettes qui vous font envie, vous choisissez le nombre de personnes que vous êtes dans votre maison, combien de repas vous voulez dans votre semaine et tout ça. Merci Didine, merci Dark pour les primes. Et vous recevez chez vous vos trucs et... Forcément, vu que je suis en collab avec eux, il y a une offre en ce moment qui est le code LINCA-AVRIL et ça vous donne les repas, je crois, toute la première semaine à moins de 3 balles le repas. Je crois que c'est même à moins de 2,80€ par personne le repas, ce qui est vraiment pas très cher. Moi, je vous invite, si vous avez déjà un compte, à refaire un compte avec une nouvelle adresse mail comme des gros chiens pour bouffer pas cher pendant une petite semaine et après à annuler votre truc. Comme ça, une fois que vous avez racketté tout le monde, vous pouvez annuler votre truc. Et sinon, bah juste comment, si vous êtes nouveau, vous testez, vous voyez si vous kiffez, vous continuez. Si vous kiffez pas ou que vous voulez juste profiter du moment où c'est pas cher, vous allez dans votre espace client et vous annulez le renouvellement, quoi. Vous annulez le renouvellement pour profiter de l'offre et pas continuer quand ça redevient plein pot. Et sinon, vous faites comme moi et vous continuez parce que c'est trop stylé de recevoir chez soi des trucs à préparer et d'avoir aucune course à faire. C'est quand même le vrai plaisir, ça. Bref. De toute façon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez l'habitude que je vous présente HelloFresh, vu que c'est les partenaires avec lesquels je bosse depuis le plus longtemps de la chaîne, je crois. À savoir que j'ai commencé à bosser avec eux il y a 5 ans. Et putain, c'est vrai. Parce que c'est quand j'ai commencé à bosser avec eux quand j'habitais à Cannes. Et là, ça fait 3 ans que je suis à... Ah non, pas 5 ans, ça doit faire 4 ans. Ça doit faire 4 ans, en vrai. 4 ans, donc c'est les anciens de la chaîne, toujours aussi contents. Et voilà, c'est tout, on va aller cuisiner ça tranquillement. Je vais boire un petit peu de bière. Vous avez vu, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito où il y avait un pro de la bière et il disait d'acheter en grande surface de la Goudal et de la Jeanlin. De la Jeanlin, et bien du coup j'ai acheté que ça. J'ai écouté le professionnel. Goudal, très bonne. J'ai découvert Goudal Ruby. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, la team. Délicieux. C'est quoi ton code promo? LINCA-AVRIL, mais si tu cliques sur le lien qui est épinglé, tu peux directement aller sur le truc. Merci Nomi pour les 2 mois, merci beaucoup. L'abus d'alcool à consommer avec nous, oui c'est vrai Lolo. C'est vrai, moi j'attends les mojitos. Les mojitos que les modos m'ont promis, je les ai toujours pas vus. Mais bon, c'est pas vrai. Je peux plus boire d'alcool. Bah, sois pas triste, l'UI, c'est une très bonne nouvelle. Boire de l'alcool, c'est plutôt pas ouf, quoi. Genre, il y a mieux dans la vie. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui demandait si c'était halal. La réponse est non, mais il y a genre le choix de 40 recettes, tu vois, sur le site, quand tu fais ton truc. Donc, venez, je me mets en mode Jones, comme ça, je suis mieux éclairé. Ah, voilà, là, je suis en mode Jones. T'as le choix avec une quarantaine de recettes, et il y a plein de recettes à base de poisson et de recettes végétariennes. Donc, tu t'as de quoi faire, quoi, si tu veux tester. Merci Simon, merci beaucoup pour les 16 mois, c'est gentil. Merci beaucoup. Les gars, vous me trouvez comment en mode Jones? Je suis en train de swag ou pas? La team. Alors? Il slay. Merci la team. Je suis en train de me mettre une rapta avec la bière à 2%. Alors? Tu slay. Merci la team. La swagance max. Let's go. Je me cringe moi-même. Merci Emily pour le sub. Merci. Non, j'arrête. Je me cringe moi-même. J'aime bien l'humour cringe et gênant. Mais là, c'est too much. Même moi, ça m'atteint personnellement. J'arrête. Bon, venez, on commence parce que là, on est là jusqu'à demain. En plus, j'ai commencé le live plus tard parce que c'était impossible à setup. Vous avez en bas à chaque fois le truc. Là, si je commence tout de suite, je suis à table dans 35 à 50 minutes selon le temps que je prends. Me connaissant, on est à table dans 1h30. Merci, merci CB pour le sub. Merci beaucoup, c'est gentil mon poulet. Ah non, c'est Ced. Merci beaucoup, Ced. Premier degré, ça t'allait bien. Normal. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui ne me va pas, mais bref. J'essaie de pas tousser dans le plat que je vais donner à manger à ma femme. Alors, pour cette recette, pour 2 personnes, à moins de 2,80€ le repas, qu'est-ce que nous avons? Veillez à bien respecter les quantités indiquées. Putain, mais vous savez ce que j'ai pas fait? J'avais dit que je le ferais. Scanner la recette pour l'afficher en live quand je lis les trucs.
Merci Juliette pour le Prime. Je vous jure les gars, le jour où j'ai mon setup cuisine, genre ma vraie cuisine dans mon studio, les live cuisines, ça va être une dinguerie. Ça va être trop trop bien, je vous ferai apparaître en direct les trucs et tout, je ferai un truc vraiment carré. J'ai trop hâte pour la prochaine fois. Mais là, de toute façon, vous cuisinez même pas en même temps que moi. 2,61€ le repas. Foncez, j'ai envie de vous dire. En vrai de vrai, merci à ceux qui le font, les gars, parce que pour être tout à fait transparent avec vous, en gros, j'ai des objectifs de trucs, de paniers, on va dire. Et si moi, j'atteins les objectifs, la marque sont contents et ils rebossent avec moi, tu vois. Bon, là, ils sont contents tout le temps, on bosse ensemble tout le temps. Mais en gros, du coup, ceux qui me font confiance et qui testent, au-delà de vous faire des repas pas très chers, en plus de ça, moi, ça me met bien, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup à tous ceux qui me font confiance, quoi. Ça fait plaisir. Merci mille fois. Du coup, veuillez bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Ciselez le blanc et le vert de la cébette séparément. Oh, venez, on s'en fout. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que j'avais refait des ails confits au miel, là. Regardez comment ils ont confit de ouf. Regardez la couleur du truc. C'est juste de l'ail et du miel, hein. J'ai rien touché, y a rien d'ajouté, y a que dalle. C'est pas une dinguerie comment ça a bien confit, là? C'est magnifique. Ça dégue un peu. Je vous jure, en fait, c'est... Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Je vous jure que c'est incroyable. C'est le genre de petit truc à avoir, tu vois, regarde. Là, j'ai du gingembre confit, que j'ai fait moi-même, au miel. Là, j'ai du miel confit au piment, qui est littéralement le piment, le miel le plus fort de la planète. Je pense que ça n'existe pas un miel plus fort que ce que j'ai fait. C'est horrible, c'est horrible. Miel plus eau, non, si tu fais miel plus eau, ça te fait un hydromel. Ça te fait de l'hydromel, c'est pas le but. À savoir que si tu mets de l'eau dans le miel, ça crée une fermentation. C'est ce qui se passe quand tu mets des fruits et des légumes dedans. Ils fermentent parce qu'ils rendent leur liquide. Et si tu fais une fermentation d'eau et de miel, bah ça fait de l'hydromel, quoi. Et du coup, vu que j'ai pas l'envie de faire des alcools maison, je n'en fais pas. Miel plus moutarde, incroyable. En vrai, miel et grains de moutarde à faire... comment ça s'appelle? À faire... macérer, là, j'ai plus le nom, merde, je viens de le dire, je l'ai dit il y a 2 minutes. Je suis sûr que c'est trop bon. Mais bref, faites-moi confiance, les gars, ça, c'est vraiment trop cool en cuisine. C'est une dinguerie d'avoir des petits trucs fermentés comme ça, c'est trop stylé. Bon, venez, on commence à faire la cuisine. Venez, on commence parce que sinon, on est là après-demain. J'utilise en quoi l'ail confit? Bon, venez, on commence pas, je raconte ma vie sur mon ail. Ail confit, dans tout. Il y a absolument rien où ça va pas. Tu prends le miel, tu prends une cuillère de miel, tu la fous dans ta sauce vinaigrette, banger. Tu prends ton ail et tu mets dans n'importe quelle préparation où tu mets de l'ail normalement, sauf que tu mets le confit, banger, ça rajoute un petit côté... vous savez, les Japonais, ils disent... l'umami, là. La 7e saveur ou 6e, enfin bref, je sais plus combien on a de saveurs. La saveur en plus, qui regroupe un petit peu toutes les saveurs. Eh ben, l'umami, tu retrouves ce goût-là beaucoup dans l'ail confit. Bref. Bon, je commence le truc. S'il y a quelqu'un qui me coupe la parole, je le banne. Voilà, c'est dit maintenant. Veuillez bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Ciselez le blanc et le vert de la cébette séparément. Voilà. Et là, rien ne pourra me stopper. Je prends mon couteau. Énerve. Oh, j'ai acheté un truc. Oh, mais putain, je m'interromps moi-même. Bon, c'est pas grave, je m'interromps moi-même. Les gars. J'ai acheté un truc. C'est exceptionnel, je vous jure, c'est l'achat de ma vie. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Aiguisé. Mec, tu mets ta lame. Hop! Elle est aimantée. Tu poses sur un truc plat. Et tu fais rouler ton machin là. Et ça aiguise. Je vais pas le faire là parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai pas envie de foutre du métal partout sur ma planche, mais ça coûte pas 150 balles ça. Ça, je sais pas combien j'ai payé la peau du cul. Ça valait chaque centime investi. J'ai jamais eu un aiguiseur aussi efficace et aussi simple à utiliser. Genre c'est vraiment trop 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 bien. Bon, le prochain qui m'interrompt par ça, je le banne. Ça c'est bon. Ça je le nettoie je pense quand même, parce que du coup en plus elles font un peu la gueule vu que je les ai laissées dans le frigo. Je pense que je vais nettoyer, enlever les trucs. Je me rends pas compte si vous allez voir ce que je fais. Genre c'est hyper large et tout, je me suis dit vas-y ça je pense que ça va vous convenir. Mais je sais pas si ça suffit. Genre là si je coupe mes légumes, mes trucs et tout, vous voyez suffisamment bien ou pas?
Là, c'est bête, toi, Arnaud, c'est réel. C'est réel, c'est réel, ce que tu dis. Ok, je vais la rincer parce qu'il y a du sable. Ça, j'en trouve jamais nulle part. Ça fait tellement la diff dans les plats, genre les... surtout les plats asiatiques, c'est tellement cool. Hop. Attendez, je prends un torchon neuf pour essuyer mes légumes. Ta cuisine a l'air incroyable. En vrai, moi perso, elle est pas, c'est pas mes goûts. Genre, je la trouve pas très belle et tout, mais vu que c'est ma piole, je la loue, donc il y avait la cuisine, j'allais pas la refaire. Hein. Mais par contre, elle est vraiment pratique. Genre, il y a de la place de ouf et tout. Regardez, ma femme, elle m'a même sorti un bol pour mettre les poubelles. C'est trop beau. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Du coup, ils m'ont dit de séparer le blanc du jaune. Non, le blanc du vert. Il y a même pas de jaune, je suis trop con. Le blanc du jaune. Ciseler le blanc et le vert de la cébette séparément. Ok, c'est bon. Ça, c'est déjà gagné. Une queen jaunie, bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas choisi la pire, hein. Tant qu'à faire. Autant choisir la meilleure possible. Ça m'a semblé être le plus logique. Enfin, après, c'est surtout... Modestement, c'est surtout elle qui a choisi le meilleur, si vous voulez mon avis. Mais bon. Après, je veux pas rentrer dans ce débat-là. On va me dire que j'ai de l'ego et tout ça. Mais je suis quand même assez génial. Après vous, bon, vous savez, je suis très humble. Hein. Je suis pas du genre à me jeter des fleurs ou quoi. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Lave-toi les mains, sale crado. Mais je viens de faire quoi? Je me suis lavé les mains 47 fois. Qu'est-ce qu'elle raconte, Nina? Nina qui dit aux gens qu'ils sont crado en plus. Alors ça, si c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité... Parce que je peux vous dire que pour faire un album de musique fait avec des IA, il faut être sacrément puant, si vous voulez mon avis. Il faut être sur l'ordinateur au moins 7 heures d'affilée et puer. J'ai bug, c'est bon? Eh ben voilà, donc tu parles sans savoir, Nina, c'est encore pire que tout. Je vais re-rincer parce que je sens qu'il y a du sable. Imaginez un monde dans lequel je pourrais faire un live cuisine par semaine, même deux si je veux. Ce monde, il existe, il va finir par arriver, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte, vraiment. Le rêve, je te jure, ça sera trop bien. Par contre, ils me disent de séparer le blanc du vert. Et genre, il n'y a pas de blanc. Il y a un centimètre de blanc sur chaque truc. Ça va pas faire grand-chose, hein. J'ai faim, mon ventre il gargouille et tout déjà. Bon alors attends, je vais faire grossièrement. Hein. Genre je fais comme ça. Et là je pense qu'on peut considérer que je suis dans le vert, en vrai de vrai. Ah ouais, ça fait un tout petit peu de blanc et énormément de vert. Mais même le mon blanc, il y a plein de vert dedans. Bon, on fera comme si de rien n'était parce que ça me fait de la peine qu'il y ait 3 blancs qui se battent en duel contre 18 000 verts. C'est bizarre comme phrase. C'est bizarre comme phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, on fait très très fin. Bon, le plan de travail, il est vraiment trop trop bas. Hein. Je vais finir avec une hernie discale. Ok. Mes verres de cébette, c'est bon. Mais c'est quoi ça? Ah ben c'est un mini bout de cébette, bon. On va mettre ça sur le côté. Ça c'est bon. Le blanc. Le blanc, j'ai tellement triché, il y a que du vert dedans. C'est bon aussi. Après, nettoyez les champignons avec un essuie-tout humide, coupez-les en fines tranches et l'oignon en fine demi-lune. En fine demi-lune? Ben en deux quoi. Oui, bah oui, en demi-lune, je suis trop con, moi. Tu coupes en deux, en fait. Ma mère a chopé une hernie discale. Aujourd'hui, ça rigole pas. Ça, c'est les problèmes de gens de mon âge, ça. C'est les problèmes de gens de mon âge. On en attrape tous les deux jours, des hernies discales. Je te le dis. Oh putain, ils sont pleins de terre. Bon, tu me diras, j'imagine que c'est normal. Ils disent de rincer avec un truc humide, mais j'ai envie de les passer sous la flotte, moi. Oh là là. Je vais les passer sous l'eau, je me fais pas chier, non? Attends, bon. Hop. Et l'eau fraîche, regardez pas, je fais pas la recette. Ah, mais tu comprends pas, tes champignons, ils vont être pleins d'eau. M'en fous, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de faire un truc qui me prend 4h30. Hop, voilà. Hop, hop, et hop. C'est bon, je vous vois. Non, ils vont être mouillés, les champignons.
Arnaud, j'ai un problème MDR. Qu'est-ce qui se passe? Merci Toto. Merci beaucoup. Champignons, c'est comme des éponges. Non, faux, archi faux. Ils sont tout secs. Et faux parce que tu peux pas nettoyer une poêle avec un champignon, donc c'est pas comme une éponge. C'est QFD. Et ouais, mon con. J'ai bien soufflé dans le dans les bronches à celui-là. Pardon. Désolé, chat. On pourra goûter après. Malheureusement, ça n'existe pas encore, ça. Je coupe les pieds et ça, fallait juste les émincer finement, quoi, c'est tout. Mais j'ai l'impression que la recette, elle va être faite en 3 minutes. Such a scientist. Yes, yes, I know, I know. Ça me fait plaisir de voir que j'ai toujours des viewers américains, en tout cas, qui me regardent. Ça fait très plaisir. Ça, c'est bon. J'enlève mes pieds. Il m'en reste que deux et c'est bon. Tu cuisines quoi? Normalement, c'est dans le titre, mais c'est des carrés udon. Et je crois... Ça va être une tentative, les gars, parce que je crois que les udon, j'aime pas trop ça. J'ai vu la recette, ça m'a donné envie. Et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, mais merde, je crois que c'est les nouilles que j'aime pas. C'est des nouilles super épaisses, comme ça. Je sais pas si tu vois bien, là, la gueule qu'elles ont. Mais du coup, je suis pas sûr d'aimer. Donc, je verrai, je vous dirai honnêtement, de toute façon. Arnaud, bits. Merci beaucoup, Rico, pour les 100 bits. Et non, j'ai pas déménagé, j'ai juste bougé le setup pour essayer de faire un truc un peu plus joli. Mais attends, ça, il faut faire quoi? Nettoyer les champignons, couper-les en fines tranches. Je coupe en fines tranches, chat. Mais what the fuck, toute l'eau, c'est une éponge ou quoi? Je rigole, y'a rien du tout. Y'a rien, bande d'acteurs. Non, surtout pas les champipi. Je vous promets, y'a pas d'eau dans mes champignons, là. Y'a rien du tout. Genre, regarde. Où tu vois de l'eau? Get ça. Il est tout sec. Ah, le champignon, il est sec. T'appuyais dessus, le champignon t'appuie dessus et le jus qui sortait. Là, il n'y a pas de jus dans mon champignon, il n'y a rien. Mon champignon, il est sec de chez sec, je vous jure. Ton couteau, il est si satisfaisant, purée. C'est pas n'importe quel couteau, Harry. Envie d'une anchoyade putain. De tous les plats que tu pouvais choisir, t'as choisi l'anchoyade, faut vraiment être un psychopathe. Je pense vraiment que ça, c'est un... Il faut être raciste pour dire ça. Et moi, j'aime bien aussi l'anchoyade, mais... T'as eu le choix de tous les plats du sud et t'as dit j'ai envie d'une anchoyade putain de con. Il y a quand même mille trucs meilleurs qu'une anchoyade. Merci Mac pour le prime. Déjà, la piste saladière existe. Rien que ça. Piste saladière existe. Tu peux être au bord de la mer et prendre une part de piste saladière. Ça met en slip ton anchoyade. La piste saladière, c'est exceptionnel. Après, il y a quoi? T'as l'aioli, le classique. Ça met en slibar ton anchoyade. Ok. Là, je vais diviser... Mais une bonne bouillabaisse avec une bonne rouille, ça dérouille ton truc aussi. En fait, tout est meilleur que ton truc. Mais c'est quand même bon, l'anchoyade. Mais pour choisir l'anchoyade parmi tout, c'est être raciste. Arrête de mentir, sale acteur. Je te jure, je le pense. Je te le jure. Salut, Valdi. Je te jure, vraiment, je pense premier degré. Hop. Bon, attendez. Théma. Tac. Attends, il y a eu un échec. Il fait mon avenir est plus fin que ce champignon. Ok, ça c'est good. Après, il nous en reste deux. Après, c'était quoi? Il y avait un autre truc avec le gingembre. Ah non, c'était les oignons en demi-lune. Ok, mais j'aurais plus de place sur ma planche à découper, là. Ok, le pro. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un chef. Et je vous le prouverai. Je vous le prouverai le jour où j'ai mon studio avec ma cuisine. On fera plein de petits plats, je ferai la chaîne YouTube de cuisine et tout ça. Parce que ça, ouais, j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui sont pas au courant. Mais j'ai prévu de modifier la chaîne principale et de la transformer en chaîne de cuisine. Pour quand j'aurai mon setup... Parce qu'en gros, moi, mon but, pour ceux qui me connaîtraient peu ou pas trop, ou qui me redécouvriraient ou j'en sais rien, j'ai envie d'avoir un studio avec ma cuisine dans mon studio... Et pouvoir finir ma partie de gaming et aller faire ma bouffe du soir en live. En gros, c'est l'objectif. Pas tous les soirs, mais je veux faire ça. Et pour ça, il faut que je déménage. Mais quand j'aurai fait ça, je change la chaîne principale et j'en fais une chaîne cuisine. J'en fais une chaîne cuisine et je mettrai que des petits trucs. Soit des vidéos que je ferai à part pour vous montrer des recettes et tout ça. Soit des trucs qu'on fera en live, mais vraiment un machin dédié, quoi. Deux fois plus de l'inca en live. Bah, du coup, vous aurez en tout cas du contenu plus varié, ça, c'est sûr. Oh, mais merde! Putain, je joue un truc avec mon pied, en fait, c'est des morceaux de d'ail, là, enfin, de comment ça s'appelle? De ces bêtes. Bon, c'est pas grave, j'aspirerai plus tard.
Mais si longtemps qu'on attend la cuisine parfaite, j'ai trop hâte. Je te jure que la personne qui a le plus hâte ici, c'est moi. Ils sont sans l'ombre d'un doute. Hein. Ça me fait tellement chier de... Ça me fait tellement chier d'attendre. Attends, je vais prendre des bols pour mettre mes trucs dedans. Parce que sinon, j'aurai plus de place sur mon plan de travail. Je vais foutre mes champignons dans un bol, les mettre de côté. Le setup est grave mieux qu'avant. Ouais, par contre, on est d'accord, ça rend vraiment mieux, là. Je te jure, quand je faisais le setup, que je voyais le retour caméra et tout ça, je me disais que ça puait sa mère. Enfin, que ça puait sa mère. Genre, j'étais pas content. Et en vrai de vrai, quand tu regardes l'ancien setup, même la qualité, on dirait qu'elle est plus belle, alors que c'est la même caméra, y a rien qu'à changer, c'est juste les lumières qui ont changé. La rêve de ton jean, Linka. Je crois que c'est un Bershka, celui-là. Je l'ai depuis longtemps, hein. Genre, je pense pas que tu puisses le retrouver. J'avais payé que dalle, j'avais payé genre 20 balles. 20 ou 25 balles, je sais plus, un truc du genre. J'avais vraiment payé pas cher. C'est juste une taille... Oh, mais c'est un baggy, quoi. C'est un baggy Bershka. J'avais oublié que le mot baggy, il existait. C'est la même cuisine. Mais oui, avant, j'étais là, et vous aviez la caméra ici. C'est le même truc. Sans, y a rien qu'à changer, là. J'ai allumé le live, j'étais hype, c'est trop beau. Mais pourtant, c'est exactement pareil, y a aucune différence. Tout est mieux, comme tu dis, la qualité est bien mieux. Et ouais, et pourtant, y a rien qu'à changer, genre, c'est juste la lumière et le truc. Comme Baggy le clown. Les Baggy Bershka, c'est 40 balles maintenant. Ouais, ben moi, quand je l'ai acheté, c'était 29 euros, 25 euros, je sais plus, un truc comme ça. Et j'ai pas acheté de fringues depuis... Les gars, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas acheté d'habits. Faut vraiment que je fasse le live que j'avais dit où on me relook, là. Ça serait stylé, en vrai, de faire ça. 30, il me semble. Non, je me rappelle, c'était une vingtaine. Donc ça devait être 29. Tu pues, j'ai toujours les mêmes fringues et tout, moi, genre, je te jure, j'ai des thunes et tout, mais j'en fais rien. Je repars, je vais juste au resto, c'est tout. Je vais au resto, j'achète des trucs dans des jeux vidéo. Super, la vie de rêve. C'est l'American Dream, ma vie. Mais faudrait que je me tape une déterre et que j'achète des fringues, en vrai de vrai. Il achète des cartes chères, oui, ça c'est vrai, mais ça c'est pas de ma faute. L'oignon en fine demi-lune. Putain, moi j'aime bien les oignons et il est tout. C'est un bébé oignon, on dirait là. Je me suis fait couiller, je voulais un vrai oignon, un immense. On va faire avec. Hein. On va faire avec. De toute façon, faut pas que j'abuse sur l'oignon. J'en ai assez mangé à midi là. J'ai mangé un bœuf aux oignons. Fait maison. Que j'ai eu dans le livre de Woogies. D'ailleurs, comment bah, autant pour la bouffe asiatique, les recettes de Woogies, je trouve que c'est pas les meilleures. En toute transparence. Par contre, son livre, les recettes, sont trop trop cool. Je sais pas si vous connaissez, je sais même pas où il est mon truc. Attends, il est là-bas, je vais vous montrer. Hop. J'ai acheté des livres de youtubeurs, les gars. Mais ça fait un moment que je les ai. Ça là de Woogies, le manuel du cuisinier amateur, je vous jure, il est vraiment super bien. Et il y a plein de bases et tout ça si vous êtes un peu des merdes en cuisine. J'imagine que c'est le cas de pas mal de gens d'après moi. Il y a quand même plus de gens nuls que de gens bons en cuisine. Et il y a tout. T'as les indispensables, t'as les recettes de toutes les sauces qui existent et tout ça. Genre il est vraiment vraiment cool. Et si vous kiffez la bouffe asiatique comme moi, le riz jaune, son livre est trop 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 cool. Toutes les recettes sont simples, les trois quarts des trucs, ça prend un quart d'heure, les gars, et t'as que des bangers. Genre, vraiment, il est trop bien, le livre. J'adore. Je vous invite à jeter un coup d'œil, et si jamais vous le connaissez et que vous hésitez, vraiment, c'est un super livre, vous pouvez foncer. Les recettes sont trop cool. Tout ce que j'ai testé dedans, c'était délicieux. Tout. Salut à tous, c'est Thaï. J'imite bien ou pas? Merci, Lisa. Merci beaucoup pour les 56 mois. Toi, t'es vraiment riche, toi. T'es vraiment très riche. Redonne les titres. C'est le guide du manuel, le manuel du cuisinier amateur ou le guide manuel du cuisinier amateur de Woogies. Et le riz jaune, je sais pas, tu tapes le riz jaune et tu regardes le livre, il n'y a pas de titre, il y a juste marqué le riz jaune. Bon, les fines demi-lunes, parce que bon, on parle, mais il faut s'activer quand même. Attends, ça, je vais prendre le temps de faire un truc parce qu'ils avaient l'air de dire qu'il faut vraiment que ce soit tout fin. Avec ce couteau, tu peux faire des trucs d'une finesse. Genre, je sais pas si on se rend compte à la cam, mais je vous jure, c'est fin, mais comme du papier, quoi. Tu peux vraiment faire des trucs ultra fins avec ce couteau, c'est une dinguerie. Genre, si vous aimez vraiment la cuisine, je trouve que c'est un beau... si vous avez des thunes, vous achetez vous-même, mais sinon, vous pouvez faire la demande, c'est...
à Noël ou pour un anniversaire ou quoi. C'est vraiment un beau cadeau d'avoir un beau couteau pour quelqu'un qui aime cuisiner. C'est vraiment trop trop agréable. Ça change, je trouve que ça change vraiment tout d'avoir un beau couteau. Genre regarde, c'est celui que je viens de faire là, mais c'est abusé les gars, il est transparent. Il est transparent. Et ça, si t'as un couteau de merde, c'est impossible. Ton couteau, ton oignon, tu l'écrases avant de le couper, quoi. Un beau couteau, moi, je trouve que c'est hyper important. Et c'est satisfaisant, en plus. Bon, après, par contre, celui-là, je l'ai reçu, je me suis coupé instant. Le lendemain, je l'ai réutilisé, je me suis recoupé. Je passais ma vie à me couper avec. Faut le temps de s'habituer un petit peu, quoi. Perso, j'ai que des couteaux qui coupent pas. Ouais, bah ça, c'est horrible. C'est le meilleur moyen de se dégoûter de la cuisine, avoir avoir des instruments qui sont pourris. Enfin, des outils, des ustensiles, je trouvais plus le nom. Des ustensiles pourris, je trouve que c'est le meilleur moyen de se couper l'envie de cuisiner. Je trouve. Moi, je vous recommande d'investir dans un bon couteau. Alors, nous avons coupé la cébette, séparé le blanc, le vert, nettoyé les champignons avec un essuie-tout. Pas vrai qu'on a fait ça, la team. Couper l'oignon en 2001, râper le gingembre, ça pique, doser selon votre goût, l'ail, éplucher et couper la carotte. Comptez un tiers de pièce par personne. Bon, je mets toutes les carottes, ça va. En très fine demi-lune ou en ruban. C'est la découpe la plus chiante qui existe. Bah, super. Merci Athanasis, merci beaucoup. Et merci Vanessa Loco pour le sub. Bienvenue à toi. Bon, déjà, on va s'occuper du gingembre. Je vais mettre mes pouces de... Attends. Je vais mettre ça là. Et ça, c'est un peu clair. Je vais les mettre parce que je crois que les vertes, on les garde pour la fin. Et les blanches, tu les mets à cuire, en gros. Et je pense que je vais en mettre quand même pas mal à cuire. Parce que c'est moins digeste, je trouve, quand c'est pas cuit, ça. Et vu que maintenant, je suis une vieille personne, il faut que je fasse très attention pour pas me retourner le bide. Et ouais, vous verrez quand vous serez vieux, vous aussi. Vous devrez faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez et tout ça. Et ouais, la team, moi, je vous le dis. Je vous le dis. T'es pas vieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis encore très jeune et j'ai toute la vie devant moi. Mais, faut prendre soin de soi. Et de, j'allais dire, et de son fion, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et de son ventre. Parole de grand sage. Mais je suis un peu un grand sage quand même, non? Je suis un peu un genre de grand frère, non? Je trouve un petit peu. Modestement. Modestement, j'aurais tendance à dire que je suis comme un grand frère. Pas vrai, la team? Ça, pour le hacher au couteau, je vais juste le couper dans tous les sens, je pense. Ok. Ouais, je vais couper plein de fois. Je pense que c'est bon. Putain, qu'est-ce que ça sent bon. C'est vraiment le cheat code. Tu mets à cuire un truc, tu mets du gingembre et de l'ail, c'est automatiquement, ça sent automatiquement délicieusement bon. Genre, tu peux faire croire à n'importe qui que t'es cuisinier en faisant cuire du gingembre et de l'ail. C'est le parfum est trop trop agréable. Enfin, moi perso, j'adore. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent et tout. J'aime trop ça. Vraiment, c'est je sais pas, je trouve ça trop trop bon. Tu nous invites quand à manger? Je te jure, j'aimerais trop faire un event. J'en ai déjà parlé en live et tout. Où je me mets au fourneau dans un gros barnum en plein milieu d'un stade où j'en sais rien. Et les abonnés, ils viennent et on fait des barbecues. On picole et tout ça, on boit du mojito et on se fait un barbecue de fou, genre. La soupe populaire du chat. On fait la soupe populaire, mais version abonnée. Mais j'aimerais trop. Je vous jure, j'aimerais trop. Merci la Berisella pour le prime, merci beaucoup. Ça serait trop stylé. Mais vas-y, va organiser un truc comme ça, le bordel que ça serait. L'idée... Non, mais ça serait incroyable. Tu fais venir que... Moi, je fais venir que des potes. Genre, je sais pas, imagine Croco, Show et tout ça. On se met tous sous une tente. Nous, on fait juste le barbecue. Et notre but, c'est de régaler la commu, tu vois. Je fais venir qui? Sleepix, un gros mangeur et tout ça, qui kiffe la bonne, les trucs franchouillards. Il se fait son stand à tartiflette et tout. Vous allez au rayon de Sleepix avec votre gamelle et vous remplit vos oeufs de tartiflette. Moi, je suis à côté en train de faire smasher des burgers. Genre, je vous jure, ça me vend trop du rêve. Ça me vend du rêve de fou. Ça serait incroyable. On est civilisés, t'inquiète. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça me vend trop du rêve. Quel pays t'aimerais visiter dans les prochaines années? Les gars, ça va sonner bizarre, ce que je vais dire, ok? Je crois que j'ai atteint quasiment tous mes goals de voyage à la trentaine passée, ça y est. Je n'ai pas de pays où je me dis, j'ai absolument envie d'y aller. C'est fini. J'ai visité tout ce que je voulais voir.
tout ce qui me faisait vraiment envie, qui me tenait à cœur. Merci Amy pour le sub, merci beaucoup. C'est good. Après, il y a des trucs qui me font quand même vraiment envie encore. Genre la Norvège, la Suède et tout ça. Mais c'est pas des pays où je suis en mode, c'était vraiment en haut de ma liste et il fallait absolument que je les fasse dans ma vie le plus vite possible, etc. Genre, je sais pas. J'ai fait vraiment tous mes goals, quoi. J'ai de la chance. Ça, le riche, c'est donc ça, la richesse. Mais les gars, c'est même pas une question de richesse pour le coup, parce que j'en ai déjà parlé en live. C'est comment? Même quand j'étais animateur et que je gagnais 900 balles par mois, je m'offrais quand même un voyage dans l'année, quoi. Et en gagnant 900 euros par mois, en payant mon loyer, etc. Tu vois, c'est juste que, contrairement à vous, certainement, qui allez vous murger la gueule tous les jeudis avec vos copains, moi, je suis jamais sorti, jamais eu trop de potes, donc jamais trop dépensé de thunes, en fait. Donc, mais mon plaisir de l'année, c'était mon petit voyage. L'Ardèche, ça te tente? Bah, c'est stylé, l'Ardèche, mais on parle de voyage au sens quitter le pays, je pense. Je pense. Moi non plus, avec 900 euros, mec, c'est chaud. Bah, je te parle en l'ayant fait plein de fois, tu vois, genre, je sais que c'est réel, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins facile, j'en sais rien. Mais moi, à l'époque, je le faisais et j'y arrivais, tu vois. Forcément, tes vacances, elles ont pas la même gueule que les vacances que je fais aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est sûr, je vais pas dire le contraire. Mais pour autant, tu peux voyager... Tu peux carrément voyager à moindre coût. Après, il y a plein de façons de voyager qui sont moins chères que prendre son billet d'avion, ces trucs. C'est juste qu'il faut du temps, quoi. Il faut du temps, il faut de la patience pour organiser des trucs beaucoup, avec beaucoup d'avance pour payer moins cher. Il y a plein de petites astuces, mais bon, ça, vous connaissez, quoi. Hop, je crois qu'il y avait la carotte, mais je sais plus ce qu'il y avait à faire avant. Je crois que c'est tout. J'ai de faire des tronçons. Très belle cette carotte, merci, ça me fait plaisir. Merci pour elle. Il y a plein de pays qui sont pas chers. Ouais, mais genre, surtout quand t'es jeune en fait. Parce que je sais qu'il y a la plupart des gens qui sont vraiment jeunes dans le chat. Sans parler de voyage à l'autre bout du monde du coup, bah parce que forcément si tu vas au Japon ça te coûte la peau du cul. Mais les délires genre Interrail et tout ça, il faut carrément en profiter quand t'es jeune. Hein. Pouvoir faire le tour de l'Europe pour, je sais pas, une centaine d'euros ou je sais plus combien c'est. Et prendre à volonté des trains, des machins et tout. Mais les gars, genre, tu peux voir tellement de pays pour pas cher. C'est vraiment cool. Après, tu fais des auberges de jeunesse, tu fais des trucs un peu... Pas forcément les trucs les plus stylés de la planète, mais en tout cas, pour voir du pays, c'est pratique, quoi. J'ai une liste avec 23 youtubeurs que j'aimerais rencontrer. Putain. Ça, c'est un bel objectif de vie, je trouve. C'est trop cool. C'est qui tes youtubeurs que t'as envie de rencontrer? Les gars, si vous pouviez rencontrer un youtubeur là, un youtubeur ou streamer, passer du temps avec lui, genre en mode une soirée avec une petite bière et papoter, vous choisissez qui? Vous prenez qui, vous pensez? Moi, The Kairi, perso. Toi. Eh, arrêtez de mentir, bande de suceurs, dites la vérité maintenant. Dites la vérité. Moi, je vous le dis, moi, en vrai de vrai... C'est faux, je prendrais pas The Kairi. En vrai de vrai, je pense que je prendrais Squeezie. Je prends Squeezie, je pense. Et les gars, si le repas, si c'est 2 heures autour d'une bière, je passe 2 heures à le sucer. Je passe 2 heures à sucer Squeezie. Je dis, mec, t'étais toute mon enfance, toute ma jeunesse. J'ai commencé YouTube grâce à toi. Je t'aime trop. Je passe deux heures à le couper de fou. Et en espérant que ça devienne mon meilleur ami et qu'il m'invite chez lui pour manger des pâtes et tout. Non, c'est peut-être un peu too much. Non, en vrai, de vrai, je sais pas. Pour parler très sérieusement, j'avoue, je sais pas. Je sais pas qui choisirait. Désolé, je prends le temps sur la découpe, mais vu qu'il faut faire une genre de julienne, je préfère faire attention. Pour couper très très fin. En vrai, attends, je réfléchis et je vous réponds sérieusement cette fois. J'avoue, je sais pas. Je pense quand même Squeezie. Parce que j'ai quand même... J'aurais quand même des... Je sais pas, remarque des questions, non, je sais pas, parce qu'en fait, il parle assez librement en live. Regardez, là, je vous montre la découpe pour ceux que ça intéresse. Genre en... Il faut les faire en tout fin, comme ça, genre des petites bandes. Pour ceux qui sont intéressés par la cuisine dans ce chat. Je sais pas, je vous jure, par contre, si je réfléchis, j'ai aucune idée de... avec qui je ferai mon truc. Simon Puech ou Léna? Léna...
Je sais pas, en fait, je sais pas qui m'intéresserait, genre. Enfin, m'intéresserait en mode où j'ai vraiment des questions, des trucs qui m'intriguent et qui peuvent être dits que dans l'intimité, entre guillemets, tu vois. Parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Si c'est juste une heure toute cringe, juste à dire, je sais pas. Nico Mathieu, direct. Nico Mathieu, c'est pas celui qui a fait. Je crois que je le suis, ce mec, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est le gars qui va en Amazonie, etc., là? Qui va dans des pays reculés et faire des visites, des trucs comme ça. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Maxime. Maxime, il est trop cool, les gars. Franchement, comment? C'est pas pour lui faire de la lèche ou quoi, mais pour l'avoir rencontré, avoir eu l'occasion de papoter, de me poser, tout ça, je trouve vraiment qu'il a le truc du mec gentil. Genre, il a l'air vraiment gentil. Et si c'est un connard, il cache très bien son jeu en tout cas. Mais il m'a l'air d'être vraiment, vraiment quelqu'un de super sympa. Hop. En vrai, Cyrus. Cyrus? Je me rappelle même plus ce qu'il fait. Je me souviens même pas. Putain, la croquette de carotte. Moglo, c'est la bête. Ouais. Après, comment? Moglo, je peux l'avoir quand je veux, donc ça, c'est moins exceptionnel. Il faut que je choisisse quelqu'un, moi, que je peux pas voir, tu vois, habituellement. Mais j'avoue, je saurais même pas. Je crois que je m'en fous un peu, en fait. Genre, quelqu'un qui a dit qu'il y avait une liste de 24 youtubeurs. Et comment ça, 24? Tu veux leur faire quoi? C'est presque bizarre, genre, d'avoir une liste de 24 youtubeurs à voir absolument. C'est chelou, non? Natou, elle a l'air tellement gentille. Je trouve. Il a l'air vraiment, vraiment cool. Et Natou, putain de merde, voilà, je le redis encore. 40 piges. Comment c'est possible? Comment elle les cache où, genre? Donne ton astuce. Elle a vendu son âme au diable ou j'en sais rien, c'est une sorcière, il y a un truc. C'est impossible. À chaque fois que je la vois, je me dis, c'est pas possible. Ou alors, elle a fait un partenariat cosmétique qui est vraiment bien réussi. Genre, ils ont. Les produits, ils marchent bien. Genre, je sais pas comment c'est possible de faire aussi jeune. 40, je vous jure, je crois, elle a 40 ans, les gars. Elle a pas 40, arrête. Et c'est presque ça, elle a genre 39 ans, je crois, un truc comme ça. Les gars, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, premier degré. Quelqu'un saura dire dans le chat. Elle a 38 précisément, voilà, 38, les gars. Moi, je vous jure, ça me choque, premier degré, je trouve ça incroyable. Putain, elle a presque 40. Ben, tu vois, je t'avais dit. Yoshi, tu savais pas? Pourtant, on en a parlé en live il y a pas longtemps. Et à chaque fois que je parle de Natsu, je me sens obligé de le dire tellement ça me choque. Premier degré, le sérum aroma. L'Amazon marche bien de fou. Bah franchement, je pense que c'est grâce au sérum Aromazone. Moi, je crois que je vais m'acheter un sérum. Hein. Je vais me le prendre, ce truc. C'est lunaire à quel point ça fonctionne. C'est une vieille du vieux Natou. En vrai, Natou, moi, je trouve qu'elle est jeune. Je trouve que tu commences à être vieux à 50 ans, genre. Et je pense que quand j'aurai 50 ans, je trouverai que ça sera à partir de 70 ans que t'es vieux. Je suis sûr et certain que ça va être ça. Emma Grazano est incroyable. Emma Grazano. Je vois pas qui c'est. Emma Grazano. C'est une vieille comme Natou? La copine de Chris. Ah mais oui, putain, si, je vois très bien qui c'est en fait. Pardon Emma. Bon, elle doit pas être là, hein, mais pardon Emma. Je vois très bien qui c'est. Je sais pas, ça m'était sorti de la tête qu'elle s'appelait comme ça. Une vieille comme Natou, mais je sais pas, je croyais que vous disiez ça en mode une ref de quelqu'un d'autre de bien conservé. Studio. Mais oui, mais les gars, c'est ça la bonne réponse. Si j'ai une bière à partager avec quelqu'un, je la fais avec Studio Daniel. J'avais pas pensé, mais c'est évident, genre. Je vais avec Studio Daniel. Je l'ai rencontré une fois en allant à Genève. On était ensemble à l'aéroport et tout ça. Je vous jure que elle ne fait pas semblant. C'est vraiment Studio Daniel dans ses vidéos, c'est Studio Daniel dans la vraie vie, genre. Bah, what the fuck, MDR? Bah, parce que j'étais allé à une convention à Genève, là, je sais plus comment ça s'appelle. Au Palais Expo, je sais plus le nom, à chaque fois je vous demande, à chaque fois vous me dites, à chaque fois je dis, ah oui! Du coup, voilà, bah, j'étais allé à une rencontre là-bas. Là, quelqu'un va dire ce que c'était dans le chat et je vais dire, ah oui, Royaume du Web. Ah oui, voilà. Merci Nina. Mais comment? Il y avait Studio Daniel à l'aéroport, elle est comme dans ses vidéos. Et alors, loulou, bonjour! Bah tu me fais pas la bise. Elle a une voix de camionneur de baiser. Elle s'encule à la clope toute la journée et tout. Je vous jure, c'est une vraie de vraie. Hein. Elle a de la bouteille de fou, ça se voit. C'est une sacrée gaillarde. Mais franchement, elle était vraiment cool. Genre vraiment gentille et tout. Ouais.
J'avais bien aimé. Genre, je pense que si je devais aller me faire une bière avec quelqu'un, je serais avec elle, en fait. Tu passes 2 heures à te marrer. Genre, littéralement 2 heures à te marrer. Sûr et certain. Mais les gars, après, je vais faire un stream de dos, là. Je vais cuire mes trucs, je serai comme ça. Yes, t'es en train de cuire. C'est gênant ou pas, vous pensez? Merci, Rania. Merci beaucoup pour les 2 mois, c'est gentil. Linka, beats. Merci, Mr. Lox, pour les beats. T'as quel âge, toi? J'ai 32 ans. Je suis vieux, en fait. Je suis très vieux. Mais un peu jeune à la fois. Oh, Maurice! Je suis entre deux. Je suis entre deux. Merci, Audrey, pour le sub. Merci beaucoup. Nous, dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles à un mur, Nina? Momo. Les gars, je peux pas vous le montrer. Là, on cuisine. Merci, Dégué Mouilly. J'ai dû saboter ton pseudo. Merci pour le sub, poulet, c'est gentil. Quand tu seras de dos. Ah, bien vu, parce que vous parlerez à un mur. Bien vu, j'avais pas tilté. Je suis un peu con. Bon. Il y a 6 étapes, on est à l'étape 1. Je sais pas si ça vous rassure ou pas. C'est vrai en plus. On est là jusqu'à 23h à peu près, je pense. J'espère que ma chérie a pas trop faim. Tu fais quoi à manger? Des carrés udon. Il y a oublié le nom du truc. Tu connais Rafale? Que de noms. Et j'avais déjà regardé quelques vidéos et tout ça par curiosité, mais je le connais pas du tout. J'ai jamais parlé, je crois. Ou alors dans le chat ou des trucs comme ça, mais j'ai jamais parlé, genre je le connais pas personnellement. Attends, mais je vais couper l'iPad, en fait, je vous regarde même pas là, ça sert à rien ce truc. J'ai mis un iPad sur le côté, je sais pas, je me suis cru où? Dans une émission télé, mais du coup, il me sert à rien le truc. Merci Anna pour les 18 mois, merci beaucoup. Bon, faire chauffer un généreux d'huile d'olive de tournesol dans une sauteuse ou un wok à feu moyen vif. Ajoutez-y le curry, l'ail, mais l'ail il est où l'ail? J'ai oublié de le préparer, merde. Alors attendez. Eh, n'empêche, ma planche, elle a une jolie petite gueule, là. Tu vois que tu manges équilibré, que tu manges des légumes et tout. Moi, c'est aussi ça que je kiffe avec HelloFresh. HelloFresh, la marque super. Avec HelloFresh, merci Anna pour les 18 mois. C'est ça aussi que je kiffe, c'est que tu manges du coup des trucs qui sont vraiment équilibrés et que naturellement, tu te serais pas fait toi-même, quoi. Genre, quand tu te fais de la bouffe, tu te fais des trucs à l'arrache. Là, tu reçois tes trucs, bah c'est varié, c'est équilibré, c'est bien pensé pour que t'aies des apports et tout ça. Enfin, genre, c'est cool. C'est vraiment cool. J'aime bien ce délire-là, de pouvoir manger équilibré, sans se fatiguer à aller faire ses courses et à réfléchir à des recettes. Hop et hop. Je crois que je vais céder, Nina. Tu vas céder à quoi, Focus? À quoi? Crache le morceau. Crache le morceau, Focus. Vous savez que céder à HelloFresh, là, c'est soutenir la chaîne inconditionnellement aussi. Ça, c'est à prendre en compte. Regardez notre belle, notre magnifique plateau de vegetables. Ça, c'est du travail bien fait, ça. Bien préparé. Bon, il faut que je fasse chauffer un filet d'huile d'olive dans un... Je vais faire dans une sauteuse. Une magnifique sauteuse. Ah non, c'était pas d'huile d'olive. Huile de tournesol dans une sauteuse à feu moyen vif. Bon, du coup, déjà, on va se mettre ça à chauffer. Hop. Tac, tac. Et ça fonctionne pas. Si, c'est bon. Ça fonctionne. Huile de tournesol. C'est ça, je pense. Comment de l'huile? Ça peut être Nutri-Score B. Je viens de voir, là. Comment? C'est quoi la logique? Comment c'est possible? Pourquoi tu as des eaux? Parfois elles sont Nutri-Score B aussi. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, l'autre fois j'ai acheté une bouteille d'eau, le Nutri-Score c'était B. J'étais en mode, mais comment c'est possible? Là, l'huile c'est B aussi. Mais je vais boire de l'huile, j'arrête de boire de l'eau moi. J'arrête de boire de l'eau. Je bois que de l'huile, ça y est, c'est fini, ma décision est prise. Ok, un généreux filet, ils ont dit là, j'en ai mis. Là, j'ai été généreux là. Je suis Jean-Marc Généreux ou quoi? Merci la team, merci beaucoup. Merci mille fois. Et ça, j'achète. J'aime bien ceux qui m'ont suivi, j'aime bien. Ta gueule, Yoshi. Bon, attends. Vas-y, je vais réchauffer mon truc. Ajoutez-y le demi-sachet de curry. Pourquoi le demi? Je veux tout mettre, moi. Il y a un autre moment où on met du curry dans l'histoire.
Attends, le demi de sachet de curry. Nanana. Dans un bol, mélangez le sauce soja, le miso, le vinaigre balsamique. Ah non, vinaigre de je sais pas quoi. Une sauce à faire cuire, mes couilles là. Nouilles. Je mets tout. Pourquoi un demi sachet? Un demi sachet? Mais non! Par personne, l'ail, le gingembre, le blanc de ses bêtes, l'oignon, champignon et la carotte. Ah mais putain, mais faut tout mettre en même temps en fait. Faut mettre tout ce qui est sur la planche. Ok. C'est bon ce truc? Ça c'est nice. Et après on prend le curry. Je pense que c'est ça. Curry. Alors vous serez ravis d'apprendre que dans le curry, il y a du curcuma, de la coriandre, du fenugrec, grec, je sais pas qui c'est, du poivre, du gingembre, du cumin en poudre, de la graine de carvi, du chili, du piment, de la graine de moutarde, de la graine de céleri, de la cardamome, graine de fenouil et du massi. Je sais pas, les trois quarts des trucs que j'ai jamais entendu de ma vie. Raconte pas trop ta vie et cuisine. Ban focus. Je vais ban focus. Hop. Ça, c'est ouvert au couteau parce que le couteau, il rigole pas. Et je pense que c'est bon, ça. Ah non. Si. Oh, si. Là, l'huile, elle est devenue liquide comme de l'eau. Comme de l'eau Nutri-Score B. Hop. Ok. Bah... Ça sent le graillon. J'ai mis trop d'huile, je pense. Ça sent le gras. Genre vraiment le graillon en plus, hein, putain de merde. J'ai saboté mon plat. J'ai saboté le truc. Je mets le curry. Hop. Ça va se passer beaucoup là-bas. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Regardez la team. Comme c'est beau ce que j'ai fait. Ça se prononce grillon inculte. Ta gueule, fuck. Il est con ce mec, en vrai, qui l'a invité ici? Il est vraiment trop bête. Hop, je prends ma pince. Et c'est bon. Rip les vers de ses bêtes. Oh non, c'est les vers qu'il fallait mettre. Mais non, le blanc de ses bêtes. Mes vers de ses bêtes, ils sont ici. Arnaud, on vient de valider nos recettes. On est livré jeudi. On économise 27 euros plus livraison. Kéro, merci. Kéro, elle te soutient en prenant HelloFresh et tu lis même pas. Kéro, j'ai lu et merci beaucoup, c'est gentil. Merci Estelle. Et Kéro, tu fais attention, si jamais vous voulez juste tester et que vous voulez pas continuer, tu vas dans ton profil et tu annules le renouvellement. Parce que vu que c'est des produits frais, nanana, et qu'il faut le temps qu'ils préparent, qu'ils setup les envois, etc., c'est fait d'une semaine sur l'autre. Tu sais, c'est reconduit pour que tu reçoives. Donc oublie pas de couper si tu veux juste essayer. J'ai oublié les champignons, putain. Il faut les mettre ou pas? Curry, oignon, carotte. Oui. Ok. Ça, il faut que vous m'engueuliez dans 6 minutes parce que je les ai oubliés. Ça doit remuer très régulièrement. Ah merde. J'ai pas remué une seule fois encore. Oh, ça sent déjà bon. En fait, le curry, c'est un peu la triche. Ça sent bon tout le temps, genre. C'est pour ça que j'ai pris ça comme recette. Je savais à l'avance que j'allais me régaler. Ok, réveil dans 5-6 minutes, chat, s'il vous plaît. Je compte sur vous. J'en fous partout avec ma truc, là. J'en fous de partout. Ok. Ça, c'est bon. Vrai cheat code de curry. Moi, j'aime trop ça. Le combo curry coco, c'est S tier. Je mets en S. Genre vraiment, je trouve ça incroyable. Après, il y a une sauce à faire dans un bol. Je vais reprendre l'huile, on s'en fout pas mal, je pense. Alors, dans un bol, mélangez la sauce soja, le miso, l'huile de sésame. Alors, sauce soja. Elle est là. On dit miso ou miso? Chat. Je sais même pas si on dit miso ou miso. Ok. Misogyne, fermez vos gueules. Miso. Ok, merci chat. Merci. Moi je dis miso aussi. Sauce miso. Sauce soja, huile de sésame. Une cuillère, une demi-cuillère à café de farine. Une demi-cuillère à café de miel. Une demi-cuillère à café de vinaigre balsamique blanc ou de riz et 100 ml d'eau. Ok. Ok. Ça, pareil, le miso, c'est le genre de truc que tu t'achètes pas trop pour te faire tes petits plats, quoi. En général. Huile de sésame. Et après, il me faut des cuillères de trucs. Il y a des trucs, parfois, qui t'es censé les avoir dans tes fonds de tiroir. Genre, si jamais vous prenez un coffret ou quoi, HelloFresh, faites gaffe et regardez bien. S'il y a des trucs, ils considèrent que tu les as chez toi.
Genre là, farine, etc., ils en voient pas, tu vois. C'est toi qui dois te démerder. Miso FR et miso au Japon. Ah mais les gars, moi je suis japonais, moi. Je suis japonais. Bah je dis miso. J'ai mis du miso, la team. Je suis japonais. Donc oublie pas de mélanger, bien vu ça. J'ai pas de truc. Hop. Ça crame, ça crame. Alerte rouge. Je remets de l'huile. Oh putain. Merci. Attends, je mets plein d'huile. Oh putain, mais comment je vais rattraper ça? Ok, mais je vais mettre de l'eau là. Il faut que je sauve le truc là. Alerte rouge, police. Attends, en frottant un peu, je pense que ça va. Oui, yes, avec l'humidité des carottes là, je suis en train de glitch. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est tiré d'affaire. Tiré d'affaire, magnifique. Ça, regardez, ça accroche même plus, quasiment. On est bien. Ça, c'est bon. Tenez-moi informé de quand faut retouiller. Là-dedans, il me faut une demi-cuillère de miel. Ben là, tu vois, tout à l'heure, vous me demandiez dans quoi j'utilisais mon miel, là. Ben là, je vais l'utiliser. Une demi-cuillère à café de miel. Je prends mon miel à l'ail. Et ça va donner une dimension merveilleuse à ma sauce, tu vois. Eux, ils disent une demi-cuillère. Bon, je mets une cuillère entière parce que, voilà. J'ai pas d'excuses. Mais j'aime bien quand il y a trop de tout, moi. Genre, quand je fais la cuisine, je mets tout en plus. Quand ils disent, mais c'est ça la moitié, je fais, bon, oh, c'est pas grave, hein. Et je fais ça pour tous les recettes, et à la fin, je suis comme ça, en mode, allez, il y a trop. Ben ouais, forcément, connard. Farine, miel, vinaigre balsamique. Non, vinaigre blanc, putain, ça fait 10 fois que je dis le mauvais truc. Vinaigre d'alcool. Vinaigre blanc ou de riz. J'ai pas confiance. Vinaigre d'alcool, on dirait un truc pour faire le ménage. Je vais prendre ça. Vinaigre de riz. Et là, je suis en train de préparer une petite... Oh putain, mais ça aussi, j'ai mis une entière. Bon, bah, allez, hop. On va faire une entière de tout. Une demi... En même temps, ils sont un peu chiants. Une demi-cuillère de... à café, genre. Personne fait ça. Ça se fait pas de faire ça. Ça rentre plus. Bon. Mélange. Merci, chat. Merci. Ça rebrûle. Ça rebrûle. Putain de merde! C'est impossible d'être au four et au moulin! Peut-être qu'il fallait pas tout faire en même temps, en fait! Attends. Attendez. Déjà, est-ce que ça fait 6 minutes ou pas? Peut-être que ça fait 6 minutes? Truc, 5-6 minutes en remuant. Ajouter la sauce dans la sauteuse et prolonger 4 à 6 minutes. 3 à 4 minutes, j'ai lu n'importe quoi. Baisse le feu. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quand tu fais un truc en mode wok, c'est saisi. Vous comprenez rien, vous. Comprenez rien. Les bouffons. Vous pouvez pas comprendre. Normalement, ça doit être saisi. Il faut de la chaleur, c'est juste, c'est my bad. 10 centilitres de flotte. À peu près ça. Hop. Et après, il me faut la farine. Mais pourquoi de la farine? Ça va être giga épais, non? Farine. Une demi-cuillère. Je fais un peu à la louche. Je pense que ça fait une demi. Peut-être un peu plus. Attends, ça ressent le brûlé. Attendez, chat. Oh là là, mon Dieu. Je mets de l'eau. Ah mais j'ai pas... Il reste combien d'heures pour... Combien de minutes pour ce truc? Chat. Un peu beaucoup. Mais non, ça va, je pense. En vrai de vrai, je pense que ça va, chat. Je vais mettre la sauce sur le côté. Parce qu'il faut l'ajouter. Donc je vais préparer mon mélange. Je sais pas trop... Oh là là, mon Dieu. Je sais pas trop si vous voyez le merdier. Je pense que non, mais bon, si je pense, vu que c'est du liquide, voilà quoi. Là, ça aurait tout son sens d'utiliser l'autre caméra. Mais j'ai la flemme de la brancher, donc bah bonne chance. Ça donne pas encore envie. Ouais, Nina, patience. Là, pour le moment, j'ai fait un bol de sauce avec des grumeaux, mais je te jure que ça va faire un truc. Ça, c'est bon. Je mets sur 7. Ça, j'écrase un peu ma farine, là, qui veut pas se mélanger dedans, la vilaine. Et hop, on vient déglacer. Hop, les, avec notre sauce délicieuse. Je mets ça sur le côté et on déglace. Je te jure que ça va être bon. Ça a une bonne gueule, là. Ça a bien nappé mes légumes en 2 secondes. Ça a une bonne odeur. Je sais pas trop si vous allez voir ou quoi, mais
Ça a une bonne odeur, ça a fait une petite sauce nappante. Et là, il faut 3-4 minutes. 3-4 minutes là-bas, tranquillou. Après, une fois qu'on a fait ça, pendant ce temps, rincez bien les œufs, puis ajoutez-les dans la casserole d'eau bouillante. Hein ? Quelle casserole d'eau bouillante ? Porter une casserole, putain, c'est dans l'étape 1 ! Oh merde. Alors attendez. J'ai oublié de faire chauffer de l'eau. Je me disais qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas. Il nous manquait quelque chose. J'avais oublié la team, c'est pas grave. Ça arrive fort. Ça arrive fort. Par contre, ils disent rincez bien les œufs. Mais c'est, je pense qu'ils vont nous faire un coup où tu fous tes œufs dans le truc et après tu mets tes nouilles. Si c'est ça, jamais de la vie, je fais ça, genre. C'est dégueulasse, un œuf, ça sort d'un fion, genre. Attends, fais voir. Faites les cures, puis ajoutez-y les nouilles. Mais jamais de la vie, genre. Ou utilisez une autre casserole si vous préférez. Ah ben oui, je préfère. Je préfère. Les gars, faites pas ça, je pense en vrai que c'est dégueulasse, en vrai, non? Faire cuire tes œufs elle, au même endroit que tes nouilles. Il y a que moi qui trouve ça bizarre? Je trouve ça bizarre, moi. Ça me paraît pas bien. Après, ils disent de bien les rincer et tout, mais moi, je sais pas. Ça m'inspire pas confiance, moi. Oh putain, ça brûle, là. Oh non, attendez. Mon truc, il va être catastrophique. Ça, c'était 2-3 minutes. Je pense que je vais bientôt pouvoir le couper, ce truc. Oui, Maurice, tu veux dire bonjour? Ok, ça c'est bon, j'ai mis tous mes trucs à bouillir un peu partout, on est bien. Un dîner presque raté. Les gars, ça va être magnifique. Linka, baisse le feu, bazar. Je ne baisserai pas le feu, vous n'allez pas me faire baisser le feu dans Wok. C'est juste moi qui dois faire attention, c'est tout, mais j'y arrive pas. Mais je vais faire attention, vu que de toute façon, il faut que je le coupe bientôt. Dans pas longtemps. Dans 3, c'était 3-4 minutes, je pense que c'est bon là. Ça fait 5 minutes. Allez hop, Anouk, je fais pas confiance, t'as écrit ça, S-A. J'attends quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as une jarre de pièces d'or à gauche? Qu'est-ce qu'il voit qui lui fait penser à une jarre de pièces d'or? Une jarre de pièces d'or à gauche. Déjà, pour lui, la gauche, c'est ça. Du coup, c'est ma droite. Mais tu parles des citrons? Il est trop con, ce mec. Ça fait 3 minutes. Merci, la team. Hop, je crois qu'il parle des citrons, cet abruti. Ok, hop. Jarre de pièces d'or selon Focus. Voilà. Focus, une jarre de pièces d'or. Des citrons confits. Ah, je vous ai même pas montré tout à l'heure, je crois. J'ai fait lui de Kozo aussi. Citron vert menthe. La jarre de pièces d'or. Bon, l'avantage, c'est qu'il doit être facilement riche, Focus. C'est vraiment, il a juste à passer au Leclerc. Et ça se règle dans 2-3 minutes. Pendant ce temps, rincez les œufs. Nanana, faire cuire. Les faire cuire 3 minutes, puis ajouter les nouilles. Mélangez bien. 3 minutes pour les délier. Puis égouttez-les et rincez à l'eau froide. Pour arrêter la cuisson des nouilles et des œufs. Donc, ça veut dire que les œufs, il faut les cuire 6 minutes. Et les nouilles, 3 minutes. Pardon, je meurs. J'arrive. Alors, du coup, nos petits œufs. Et du coup, je vous ai posé la question, mais j'ai même pas lu les réponses. Mais c'est bizarre de cuire un œuf au même endroit que là où il y a tes pâtes, on est d'accord? Merci Marion pour le prime. Là, cette fois, je reste et je regarde vos réponses. Oui. Ouais, ok, merci. Non. Pour moi, c'est connu que la coquille d'œuf, c'est giga, giga sale. Et je crois même qu'il y a des bactéries et tout ça, des trucs pas bien, genre, dessus. Non, je trouve pas. Mais moi, il me semble que niveau hygiène, la coquille d'œuf, c'est catastrophique. Est-ce que si l'eau bout, ça suffit pas? Mais je crois pas. Je le ferai pas, perso, ça me dégoûte. Ouais, moi aussi, déjà. Ultia, j'ai fini à mon sucré, j'ai baisé. J'étais très content. De finir à mon sucré et de baiser. J'étais content des deux. Ouais, c'est bactéries. Ok, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, chat. Ça chauffe tranquillement, mais le problème, c'est que je peux pas faire bouillir les deux. Ça, c'est terminé, c'est prêt. Regardez, mes jolis petits légumes, ils ont compoté avec le miso. Parce que je suis japonais, donc je dis miso. Magnifique. Là, on a cook une très belle sauce au curry qu'on va laisser sur le côté. La baise avec Nathaniel a duré 3 minutes. Mais c'était sa première fois. C'était sa première fois, c'est normal. Il était tout excité, il était tout chose.
Mais on a remis ça toute la journée le lendemain. Donc ça va. En vrai, ça va. Putain, la chance, Nathaniel, sans tricher. Bah, si c'est de la triche de mettre du Xanax dans son verre, alors j'ai peut-être triché. Mais sinon, à part ça, en vrai de vrai, c'est ok, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? C'est considéré comme de la triche, en vrai? Bon, bref, on est allé en boîte avec Kenting. Du GHB, j'ai dit Xanax, je sais même pas ce que c'est. Oh non, ouais, du GHB, pardon, tu veux dire. C'est quoi, du Xanax? C'est un truc pour dormir, non? Un antidépresseur, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, mais en gros, j'ai mis de la drogue, quoi. J'ai mis de la drogue et on a baisé, en gros. C'était ça, le truc. Le Xanax, c'est un antibiotique. Anti-anxiolytique. Ah, mais putain. Non, mais du coup, j'ai pas mis Xanax. Mais en gros, on a baisé, voilà, on a baisé, on a pas triché. On est arrivé, on a baisé, c'est tout. C'est tout, tcha. Comment ça, sans triche? Bien sûr, sans triche. Que de la baise. Et rien d'autre. Il y avait pas de passion, il y avait pas d'amour, il y avait rien du tout. T'es là pour en découdre. Bon, ça boue, ce truc, ou pas? C'est ça, la question qu'il faut se poser. 3 minutes. Je viens de calculer, là. 6 minutes de cuisson d'œuf. Mais ils vont être... je pense que je vais jamais réussir à les écaler proprement. D'ailleurs, il me faut un truc avec des glaçons dedans pour arrêter la cuisson et pour pouvoir leur enlever la coquille. Enlever la coquille, chat, écaler. Très important, ça, à savoir. Ok. Et je mets mes petits glaçons dans ma flotte. Pour stopper la cuisson. J'aime bien, je fais ma petite vie et tout pendant que vous êtes là, regardez mon cul depuis une demi-heure. C'est, j'y prends beaucoup de plaisir. Merde, faut que je refasse des glaçons. J'en ai plus. Merci Saucisse pour le sub, merci beaucoup. Oh là là, putain, c'est une détonation le merdier. Continue de chercher des glaçons, s'il te plaît. Mais Lucky, comment ça? De toute façon, c'est pas avec ce jean que vous allez mater mon cul, hein, moi, je vous le dis. C'est pas mon jean des grands soirs. C'est pas mon jean en mode Michou, celui-là. C'est mon jean discret. C'est mon jean discret. Le jean Michou, je le garde que pour les grandes occasions. Ok, ça, ça boue. Donc ça, c'est les nouilles, et c'est 3 minutes. Bah, ça fait chier, j'aurais bien aimé que ce soit les œufs qui bouent en premier. Bah, en fait, on s'en fout. Vas-y, je fais cuire mes nouilles. Chat, mettez le réveil, s'il vous plaît. Urgent. Urgent, urgent, urgent. Ok, mes hudons, j'ouvre le merdier. On veut la grande occasion. Mais comment ça, chat? On veut la grande occasion. Vous êtes vraiment des détraqués, putain, c'est grave par contre. J'ai peur de me couper en deux, là. Ah, mais il y avait une ouverture facile. Je suis en con comme mes pieds, putain. Bon, bah, soit. Alors attendez, je sors mes nouilles. Je crois vraiment que c'est les nouilles que j'aime pas, les gars. Je suis un boulet, sa mère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une variété de nouilles que j'étais pas trop fan. Je crois que c'est elle. Te coupe pas, s'il te plaît. Bah, il y a un bête, normalement, là, des modos. Il se coupe ou pas. Et comment? En général, la team oui gagne. On verra si ça passe ou pas sur ce live. C'est les udons, ouais, c'est ça. Udons, c'est les gros trucs, là. Et je crois que c'est celle que j'aime le moins. On va voir, ça va être la surprise. Je vais vous dire, je vous donnerai mon avis honnête, de toute façon. Je vous dirai si c'est bon ou pas bon. Et je vous dirai si c'est pas bon. Enfin, si dans le cas de figure où c'est pas bon, je vous dirai si c'est pas bon parce que j'aime pas ces nouilles-là. Ou si c'est pas bon parce que la recette ne me plaît pas. Mais pour le moment, sur toutes les recettes qu'on a faites en live d'amour sucré, j'allais dire, de HelloFresh, il n'y en a aucune que j'ai pas aimée. Aucune. Faut mettre le réveil dans 3 minutes, s'il vous plaît. Vous me dites quand c'est bon. J'attends, moi, j'ai confiance en vous. Vous me dites quand c'est bon. Quand vous avez mis votre réveil, je mets les pattes. 3 minutes, c'est fait. Merci. Hop. 3 minutes à bouillir, tac, tac, tac. Et après, il faut les rincer à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc, il me faudra un truc pour les rincer. Je vais prendre une... ça, là. Je vais prendre ça. C'est bon, merci la team, vous êtes des vrais petits chefs. Ça, c'est prêt. Et après, il me faut les œufs. Ah ben, les œufs, c'est bon aussi.
Il me faut une team œuf dans le chat qui me met un réveil dans 6 minutes. S'il vous plaît, la team œuf, vous me dites quand vous êtes prêts. J'attends de voir. Ok, c'est fait, merci. Attends, merde. Je les laisserai un petit peu plus. Pardon. Je prends ça en gros pour les... Bon, on s'en fout. Je prends un truc pour les mettre pour pas qu'ils s'entrechoquent et se cassent. On s'en fout. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Tout le monde s'en bat les couilles de ce que je raconte. Vous êtes là que pour mon cul, de toute façon. Ok, je touille un peu les udons. Ça là-bas, c'est tout beau. Non, franchement, bah là, les gars, c'est une affaire qui roule, hein. Team œuf. Merci la team œuf d'être aussi présente, ça fait vraiment vraiment plaisir. Quand je vois le nombre de gamelles qu'il faut pour moi, c'est mort. Mais non, mais c'est parce que là, je suis en mode, je vous montre tout, j'essaie d'étaler un peu pour vous montrer les merdiers à droite à gauche, mais en vrai de vrai, tu coupes tout au même endroit, tu fous tout dans un bol, tu fais pas chier, et après voilà, tu cuis tes nouilles, après tes œufs, enfin tu t'en fiches en vrai, hein, je pense. Moi ce soir, je mange une omelette comme hier, avant-hier, et le jour d'avant. Lucky, arrête de faire des omelettes et fais des brouillades, ça prend 2 secondes, c'est 10 fois plus savoureux. 10 fois plus savoureux. Tu casses tes œufs là dans un saladier, ok. Casse tes œufs dans un saladier, très important. Tu les bats à fond. Oh ma Mimi, fais gaffe parce qu'il y a le grand angle. Elle est trop belle ma petite choupette. Tu veux une couche? J'arrive parce que ma fille s'est pissée dessus. J'arrive. Une couche pas mouillée. C'est bon là? Ah non. Ouais! La couche! Petit crapaud. Les gars, je peux vous jurer que ma fille, c'est l'être le plus mignon de la planète. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas plus mignon que ce petit truc. Je sais même plus ce que je disais du coup. Mais elle est trop mignonne. Tu te laves les mains. De quoi je me lave les mains? Pour une couche propre? Seul bébé mignon que j'ai vu de ma vie. Focus dose quand même. Dans 30 secondes, les nouilles, c'est fini. Toi, t'es un boss, toi. Heureusement que t'es là. Mais elles ont l'air pas du tout cuites. Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Elles commencent en effet à se séparer. Ok. Ça, c'est bon. Je sais même plus de quoi on parlait, chat. Time nouille. Merci, la team nouille. Ok, attends, j'en goûte une pour voir si ça a l'air cuit quand même. Oh oui, c'est cuit. Ok, et après ils disent rincer à l'eau froide. Je les mets dans un bol d'eau froide ou j'en fais quoi en fait, putain? Parce que je vais pas faire couler toute l'eau de la planète là. Attends, mettre comme ça, après je peux les refoutre dedans. Tiens, tu fais quoi? Ah sinon je mets un glaçon, peut-être. Oh putain, j'en ai mis partout la vache. J'en ai mis partout. Je vais mettre un glaçon. Ok, et ok. Je pense que c'est bien là, et après je les égoutte et je les laisse sur le côté. Ok. Ok, et ok. C'est bon, c'est validé. Et les œufs, il me reste longtemps. J'ai peur de louper les œufs. Mais, rince. Mais c'est rincé là. C'est rincé, hop, et hop. Et elles sont sur le côté. Nickel chrome. Je vais enlever le glaçon parce que sinon ça va les détremper les trucs. Je pense qu'on veut pas les détremper non plus. Non mais les gars, là c'est parfait, c'est une affaire qui roule là. Je suis juste parfait. 2 minutes. Faut juste rincer, il met un glaçon. Mais en fait le truc c'est que j'ai peur qu'elle continue à cuire avec la chaleur résiduelle. Et vu que j'ai tout fait à l'envers, j'ai des trucs qui sont pas prêts du tout. Putain, je vais être trop bien sur le timing, 20h, je vais pouvoir me casser, m'éclater le bide, je vais être nickel. Arnaud, du coup, je dois faire quoi au lieu de l'omelette? Lucky, tu pètes tes œufs, ok? Tu râpes dedans ce que t'as comme fromage, tu t'en fous, n'importe quoi. Le mieux, c'est du comté, mais si tu manges des omelettes parce que t'as pas trop de thunes, mets n'importe quel fromage. Tu mets une goutte de lait, tu bats de baiser, genre, et tu mets sel, poivre, un peu de paprika, ail en poudre ou ce que tu veux, et quand tu fais... Non, muscu. Eh ben c'est bon là, y a rien de grave. Ah ben tu mets pas le fromage, t'es pas obligé de toute façon. Et même le lait, t'es pas obligé. Et juste quand tu cuis, au lieu de cuire à fond
pour faire cuire tes œufs et tout ça, machin. Tu les fais revenir à feu super doux, et dès qu'ils commencent à devenir crémeux, tu coupes le feu et tu continues de mélanger. Tu continues. Ça te prend genre 2 minutes en vrai. Et à la fin, ils vont être onctueux, crémeux, cuits. Genre, c'est pas en mode ça coule et tout ça, tu vois. Mais ça te fait vraiment une brouette, et le goût, il est tellement meilleur, mec. C'est incomparable. Genre, vraiment, c'est incomparable. Si vous voulez, le jour où on a la vraie cuisine pour les live cuisines, je vous ferai un tuto, vite fait, de brouillade. Et je te jure, mec, c'est incroyable la différence de plaisir. Merci, la team œuf. Je vais les laisser 30 secondes de plus, parce que j'aime bien quand ils sont un peu crémeux, mais j'aime pas quand ils sont pas cuits à l'intérieur. Je vais les faire un peu comme pour les nouilles, comment ça s'appelle ? Pour les ramen et tout ça. Un peu dans le même délire. Tac. Écaler les œufs. Ajouter les nouilles dans la sauteuse. Mélanger bien 4 minutes. Servez. Et après, c'est fini en fait. Putain, mais c'est magnifique. On est bon, chat. On est très très bon. Bon, mes œufs. Hop. Au frigo. À œuf. Ça va là-bas. Attendez, il y a un. Ok, c'est bon, j'avais bouché mon... Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Ok, d'accord. Bah, les gars, je suis trop bien, en fait. Ça, je mets juste à réchauffer. Je mets à réchauffer, genre, sur 6, je mets mes nouilles, je touille et j'ai fini. J'ai juste à caler mes œufs et c'est fini. Tu nous concoctes quoi ? Les gars, c'est trop tard, là. C'est trop tard, fallait être là. Vous avez loupé le meilleur, c'est tout ce que je peux vous dire. T'as raté le meilleur. Là, on fait des karagé. Non, comment ça s'appelle ? Je me rappelle plus. Curry udon ? Carré udon. J'ai tout faux. J'ai tout faux du début à la fin. Mais dans les glaçons. Mais là, il y a des glaçons dans mon merdier, là. Hâte de voir le résultat final. Je pense que ça va être beau. Je vais essayer de faire une présentation. Il fait une potion magique. Oui, je sais pas, j'aime bien toucher les œufs. Putain, un titre. Bah, du coup, là, ouais. Mais bref. Carré udon, là, qu'a la prononciation. Ok. Watashi wa franzu jin des. Kare udon des. Je sais pas ce que ça veut dire. Kare udon, ça veut dire je suis du kare udon. Kare, c'est le poulet. Bah non, kare, c'est curry, non? Je pense. Tu es kare, tu es des nouilles kare. Rien compris, mais les gars, vous parlez pas la langue, vous pouvez pas comprendre. T'es pas le japonais que tu penses être. Si. Si, je suis allé à Tokyo. Donc c'est la preuve. Dommage, connard, t'as les prix qu'il croyait prendre. Ok, après, je prépare mes petits œufs. Ça, il y a plein de techniques. Moi, j'y arrive jamais et je les explose à chaque fois. Voilà, en gros. Carré, c'est le curry japonais. Non, mais du coup, c'est bon. Carré, c'est curry. Et udon, c'est les nouilles. Donc, c'est nouilles au curry, quoi. J'étais bien, en fait. En fait, j'aurais pas dû jeter mon eau. Reste là, l'œuf. J'aurais pas dû jeter mon eau. Ok, et ok. Chérie, t'es prête à bouffer ou pas? Parce que ça va aller vite, hein. Oui. Je mange sushi, je suis japonais. C'est une preuve formelle, mais bref. Arnaud, avec les œufs. Oh putain, attendez. Hier, j'ai mis la nouvelle émote. J'ai mis une nouvelle émote, cette TV. J'ai mis Pedro. J'aime trop l'émote. Je l'ai vu sur le chat de Tiki, je suis tombé amoureux. Normalement, vous avez Pedro comme émote. Je l'aime trop. C'est la plus belle émote que j'ai jamais vue. Elle est pas trop bien, sérieux. C'est l'écran de ma montre, elle est trop stylée. Même la chanson est bien. La trend est trop bien. Ouais, en vrai c'est trop stylé. L'émote, j'ai eu un coup de cœur. Merci Clara, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Ça commence à faire le bruit des problèmes derrière moi, là. J'ai peut-être mis à réchauffer trop chaud. Mon œuf est magnifique, il est même pas cassé. Je vous montre ça arrive fort, la team. Ok. Ok, œuf 1, bien. Je vais poser dans une assiette. Il faut que je mette mes nouilles à réchauffer, mais je vais faire après. Je sens que je vais faire de la merde, là. Que tout va brûler au dernier moment, que ça va pas aller. Ok. Ça, c'est bon. Après, il me reste plus que 2 œufs à faire. J'allais vous montrer l'œuf en mode c'était une dinguerie. Ouais, les gars, c'est un œuf. Voilà. J'espère que vous kiffez en tout cas le petit live cuisine. J'espère que vous profitez bien.
Voilà l'œuf. Il est cool, hein? Let's go! Incroyable, trop beau, merci la team. En gros, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'ai cuit et après, j'ai enlevé la coquille. Ouah, un œuf. Je sais, les gars. Je sais. Bon, après, comme d'habitude, je vais finir mon plat, je vais le monter, je vais manger et je vais me casser comme un voleur. Du coup, je vous redis au cas où. HelloFresh, code LINKA, tiré du milieu, avril. Vous avez une offre où vous arrivez à bouffer pour moins de 2,80€ par repas, ce qui n'arrive pas souvent par les temps qui courent. Merci Thaï pour le sub, merci beaucoup. Donc je vous invite à tester si jamais ça a piqué votre curiosité, tout ça. C'est un service où vous pouvez faire vos courses. Vous choisissez ce que vous voulez manger, on vous envoie de quoi préparer à la maison directement, avec des produits frais, le plus local possible et tout ça. Enfin, genre, c'est vraiment cool. Et ça vous permet de goûter des trucs que vous n'avez pas l'habitude de manger, découvrir des nouvelles saveurs, etc. Enfin bref, moi perso, je suis ultra satisfait. Je vous invite à tester, à avoir la curiosité avec mon code, hein, ça m'est bien. Merci à ceux qui le feront. Et les gars, là, je fais réchauffer mes nouilles, je fais mon dressage, et ça part... Je goûte quand même en live, parce que la dernière fois, j'ai quand même fait une belge, c'est que j'ai dit, voilà, c'est fini, je me suis cassé, j'ai même pas goûté. J'ai même pas goûté en live. Donc bon, cette fois, je vais pas vous faire cet affront, je vais goûter en direct et je vous dirai mon ressenti réel. Cette fois, je pars pas comme un voleur. Ok, attendez, là, je remets mes nouilles dans mon truc à faire réchauffer. Là, je crois, ils disent de les remettre 2 à 4 minutes, chat. Je compte sur vous pour m'engueuler si je fais trop longtemps. Mais je pense que ça va être bon. Ok. T'as couché la petite, chérie? Oh, ma bébé, j'ai même pas fait un bisou. Elle dort pas encore? C'est en train de prendre forme. Je laisse réchauffer gentiment, je retouille après et on est bon. Dans quoi je vais présenter mon truc? Dans ça. Non. Si, je vais présenter là-dedans. Ça va être tout joli. Regardez, je peux déjà imaginer la beauté de mon merveilleux plat. Ça va être parfait. Les bisous pour Matcha. Je vais lui faire. Bon, je vais lui faire comme ça, vous allez m'entendre. Je vais lui faire un bisou. Enfin, si ça capte aussi loin, je sais pas. Ni ma souris. Mon amour. Tu dis coucou? Tu veux pas? Manu mon cœur. Hop. Hop et hop. Elle va s'endormir en 2 secondes 34, je pense. Elle se frotte les yeux de fou et tout. Les gars, c'est la plus mignonne de la planète. On est toute petite, elle faisait comme ça. Ok, ça c'est bon. Ça commence à se réchauffer gentiment. Mais... J'ai l'impression que ça n'a pas la même gueule que sur la photo. Mais, chérie, sur la photo, c'est pas de la viande, ça, c'est quoi? Regarde, attends. Je comprends pas, on dirait que j'ai oublié un truc. C'est quoi, ça? C'est pas dans le truc. Non, non, ça se trouve, il y avait une... Peut-être qu'il y avait une option pour rajouter de la viande et que j'ai pas pris. C'est possible. Sans ça, elle a oublié sa fin. Non. Parfois, il y a des recettes où tu peux rajouter un bonus. Genre, il y a des salades où tu peux mettre 1€ de plus ou 2€ de plus et t'as une burrata ou des trucs comme ça. Là, je me dis, celle-là, regardez, là, ça, on dirait de la viande, non? En vrai de vrai. Ça fait 2 minutes, les œufs. Les œufs, ils sont sortis déjà. Tu parles des nouilles, non? Je pense qu'il parle des nouilles. Les nouilles, il faut... 4 à 5 minutes, il y avait marqué. Ouais, un peu, ouais, clairement. Ouais, c'est de la merde, on est d'accord. Mais ça m'étonne, parce que d'habitude, sur la photo, ils mettent pas. Ça ressemble quand même vachement à de la viande, le truc. Avec du gingembre et une sauce asiatique maison. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression peut-être que tu peux ajouter... Je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas trop. Mais non, même sur leur truc. Servez les nouilles dans un grand bol. Ajoutez la moitié d'un œuf par personne. Bon, j'en ai fait plus, on s'en fout. Saupoudrer du verre de ces bêtes. Mais putain, mais c'est quoi ce truc? Les gars, c'est un truc que j'ai pas eu, genre... Je sais pas, j'ai loupé une étape. Je comprends pas, même en voyant la photo. Parce que eux, ils font le plat VG sur les illustrations derrière. Et le machin apparaît, là.
Genre, il est là, le truc. Les champis. Je sais pas. Ah, ou peut-être que là, c'est des champis... c'est genre des portobello ou quoi sur la photo. Ah, je pense que c'est ça. Ils font en fonction des stocks, c'est sûr que c'est ça. À la base, c'est des portobello. Donc, c'est des grands, grands, grands champignons. Et là, à la place, ils devaient pas avoir de portobello, donc ils nous ont mis des champignons de Paris, et du coup, ça a pas la même gueule. C'est sûr. C'est bon ou pas? Je peux manger? J'en ai marre de regarder mon merdier, là. Ça, il reste combien de temps? J'en ai marre. Je veux juste goûter mon plat, en fait. Je peux ou pas? Bah, mange. Et je sais pas, moi, c'est vous, les chefs. Ok, alors attendez, je fais le dressage. Je vais essayer de faire un truc stylé. Genre un truc qui donne envie. Ok. Ok, pour le moment, c'est une dinguerie. À quel point ça donne trop envie ce que j'ai fait. Et je dis pas ça pour en rajouter parce que je suis sponsorisé, vous me connaissez. Déjà, les portions, t'as des vraies portions par contre. Mais on va jamais tout bouffer là. Oh non, la catastrophe. C'était tout bien présenté, j'ai jeté la moitié sur le côté de l'assiette. Putain, j'y suis avec mon pouce. Bon, tant pis. Tant pis pour l'hygiène. Hop. Bon, je mets pas tout dedans, mais j'essaie de faire une présentation jolie pour vous faire envie. Ok. Après, je mets le verre de ces bêtes au-dessus. Et après, mes œufs, là, on va voir comment ils sont cuits. Je pense que, en vrai de vrai, je pense qu'ils sont parfaits, mes œufs. Chat, on arrive au bouquet final. Merci, Sora, pour le sub. Merci beaucoup. Ok. Oh, waouh. Non, mais chat, je vous jure. Là, j'ai fait une présentation d'une des plus grands restaurants. C'est somptueux. Oh, merde, j'ai tout gâché. J'ai mis une énorme cébette. Messieurs, dames, je vous présente mon magnifique carré udon HelloFresh. Il est beau, hein? Et ouais, la team. Bah, attendez, je goûte maintenant. C'est le plus important. Mais Linka, c'est sûr que tu es japonais, tu manges sûrement avec des baguettes, bien sûr. Vous me connaissez, la team, maintenant, vous me commencez à me connaître. Je suis japonais, donc j'y vais avec mes baguettes. Faites que ce soit que ça passe les nouilles, que ce soit pas celle que j'ai en tête. Fais l'accent japonais pour prouver. Bah, c'est trop bon, voilà. C'est super bon, une fois de plus. Les gars, regardez cette beauté. Mon bel œuf, bien cuit, bien coulant. Je vais essayer de le couper pour vous montrer. Voilà. Mes jolies petites nouilles avec mes légumes sautés. C'est trop bon. Vite. Il va m'étouffer. Itadakimasu, la team. Et voilà, je suis un vrai japonais. C'est QFD. C'est QFD, les bouffons. Itadakimasu, merci pour les subs. Et merci pour HelloFresh. Merci pour la sponsor. Et merci à ceux qui me font confiance et qui vont tester. Vous me direz, n'hésitez pas à me mentionner en story si vous faites les plats, ça me fait plaisir à chaque fois. C'est super bon. Bon. Eh bien les amis, je me casse. Je vais aller manger avec ma petite femme. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir regardé le live. Merci de m'avoir soutenu pendant 1h40 alors que tous les éléments étaient contre moi, le setup et tout ça. Merci de m'avoir attendu. Je vous fais des gros bisous. Merci au modo d'avoir modéré, évidemment, ça bouge pas. On se retrouve demain en live. Demain, je finis enfin le Lego. Donc demain, si vous avez du taf à faire, c'est parfait parce que petite musique chill, on monte des Lego, on papote pendant 3-4 heures. Et après, retour semaine prochaine, gros programme de stream. Je vous partagerai tout ça demain ou en début de semaine, tranquillement. Des bisous, passez une belle soirée. Et bah, au revoir, en fait. Mais attends, mais... Chérie. Ah non, c'est bon. Je croyais que la souris, elle marchait plus et que je pouvais plus couper le live et que j'allais être en stream jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Bisous, chat. Ciao, ciao.